Good morning, Alaïdan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak, Vefani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, pour les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sadhguru Tvot, Parikret, Mishnah Gimel, Naflula Ksafim, Ilakar Ben Karka, Veu Ochel Perot, Perot Atlushim, Mina Karka, Ilakar Ben Karka, Veu Ochel Perot, Vamechubarim Bakarka, Amar Rabbi Meir, Shamin Otan, Kama En Yafin, Be Perot, Vekama En Yafin, Be Lo Perot. והמותר היא לקח בין קרקע ואוכל פירות. והחכמים אומרים, המחוברים לקרקע שלו, התלושים מן הקרקע שלה, והיא לקח בין קרקע והוא אוכל פירות. Dans tout ce chapitre, on s'intéresse on parle des droits que le mari a sur les biens de sa femme. Lorsque sa femme reçoit un héritage, par exemple, ils sont mariés, ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait entrer dans sa dot. Il y a plusieurs, on a déjà évoqué l'histoire de Nirsetson Barzel, Nirsemilog, différents biens que la femme elle a et qu'elle met à disposition du mari lorsqu'il se marie. Là, on va parler de ce qu'on appelle de Nirsemilog, que la femme, c'est des biens qui appartiennent à la femme, mais que la femme, elle doit mettre à disposition du mari pour qu'il en mange les fruits et qu'il en profite, sans user le capital. Et là, on va s'intéresser à savoir dans notre Mishnah à définir qu'est-ce qu'on appelle capital et qu'est-ce qu'on appelle fruit. C'est-à-dire, en fait, je traduis directement, puis on va voir. Naflula ksafim. La femme a reçu de l'argent, du liquide. Le mari ne peut pas prendre cet argent et aller le dépenser. Non. Il a kar ben karka, veuchel perot. Ils devront aller acheter un bien immobilier avec, et il mangera les fruits. Il exploitera, prend en profitant pareil. Elle a reçu 1 million, ils achètent un petit investissement dans une maison qu'ils vont mettre en location, et lui, il prendra la location tant qu'ils sont mariés, par exemple. Ou ils vont acheter un champ, qui ensuite il va pouvoir planter. De même, perot atlushi minakarka, si elle a reçu des fruits déjà cueillis, ouais, son arrière-grand-père est décédé, il a laissé là-bas des tas de pommes, et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces pommes? Il ne va pas se mettre à manger une pomme, il n'a pas le droit de manger une seule pomme de tout ça. Il faudra, il a kar ben karka, v'ochel perot, on va aller les vendre, on va récupérer de l'argent, et avec cet argent, on va acheter un karka, un bien immobilier, un terrain, v'ochel perot, et il en mangera les fruits, il prendra les fruits qui sortiront de ça. Et là, on arrive avec une situation un petit peu délicate. Qu'est-ce qui se passe si le grand-père, il avait laissé le beau-père, il avait laissé un verger, où dedans, il y a des fruits. Il y en a pour 200 000 d'arbres plantés, mais qu'en plus de ça, les fruits, ils ont déjà commencé à sortir, mais pas complètement. Comment on considère les fruits qui sont là? Parce que, qu'on soit clair, une fois que le mari reçoit les arbres sans fruits, les fruits qui vont sortir, il aura le droit de les manger. Mais qu'est-ce qui se passe avec les fruits qui ont déjà commencé à pousser? Qui sont déjà là? Ouais, c'est le côté un petit peu délicat. On va rentrer dans la prochaine mission, on va rentrer dans définir exactement à partir de quand oui, quand non. Il y a des fois des capitaux qu'à force de les user, on use le capital. Qu'est-ce qu'on fera dans des situations pareilles? Là, pour le moment, c'est relativement simple. C'est qu'en fait, on reçoit des pommiers avec dedans, hein, dessus des pommes. Regardez, deux manières de calculer. Si on dit, écoute, le mari, il a le droit de manger les fruits, il laisse le capital, donc les arbres, ils sont à la femme, mais les fruits, les pommes, il peut déjà les cueillir et les manger, puisqu'elles sont déjà... Il a pas en train... Les pommes, c'est pas encore le cas, c'est vrai que ça arrive en tant que capital, mais c'est un fruit qu'on utilise, c'est sur ça qu'il va y avoir une marloquette. Imaginez qu'il reste encore 2 mois jusqu'à que ça finisse de pousser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur ça, il y a deux avis. Va mechoubarim bakarka, les fruits qui sont encore fixés au sol, qui ont encore besoin de grandir sur l'arbre. Amar Rabbi Meir, elle a dit Rabbi Meir, Shaminotan, on va évaluer. On amène tout de suite un Shamaï, quelqu'un qui évalue les prix, hein. Hein, ça m'échappe, désolé. Quelqu'un qui évalue les. Un Shamaï en hébreu, quoi. Il va venir, il va évaluer. Il va évaluer combien coûte le champ avec des fruits plantés de la sorte. Il va dire un verger vide, c'est-à-dire quand il y a les arbres mais sans fruits, ça coûte 200 000. Là, il y aura déjà, dans 2 mois, il y en aura pour 50 000 de marchandises. Mais pour le moment, ça a poussé depuis 3 semaines, ça fait déjà 20 000. Donc il y a 20 000 de marchandises. Alors ces 20 000 supplémentaires, « Shaminotan kamaynyafin beperot ve kamaynyafin beloperot ve amotar ilakar ben karka ve ochel perot » On va dire, écoute-moi, les 20 000 là, tu vas prendre maintenant, on va dire au mari, regarde, il y a 20 000 que de toute façon, les fruits vont continuer à pousser, après tu devras manger sur le supplément qu'il y aura sur les fruits. Ce sera ton bien, tu auras le droit de le prendre. Mais,
tu devras en contrepartie prendre 20 000 de ta poche et t'achètes un petit investissement qui rapporte aussi des fruits, et comme ça cet investissement il reste pour la femme. D'accord? Modar et la garben perot, et la garben gaga, vous faites le perot. Vachachamim omri, vachachamim dit non, 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 on ne rentre pas dans tellement de détails. Finalement, il y a ici un bien immobilier avec des arbres, c'est considéré que celui le capital. Les fruits, c'est pour le mari, même s'ils ont commencé un petit peu à pousser, on va pas commencer à rentrer dans ces petits comptes d'apothicaire ou pas d'apothicaire, parce que quand même, ça peut être beaucoup d'argent. Mais malgré tout, tant que l'essentiel du capital immobilier, il est là, il est fixe, alors c'est pas grave s'ils mangent des fruits qui ont déjà commencé à pousser. On fait ça dans les mots, regardez, je reprends depuis Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir, Shamin Otan, Kama Enyafin. On va évaluer combien ils sont beaux, combien ils valent maintenant, Beperot, combien les terrains valent avec les fruits qui sont déjà plantés, qui ont commencé à pousser. Mais Kama Enyafin Belo Perot, et combien s'il n'y avait pas eu ces fruits, combien ça aurait coûté? Un verger qui a déjà des fruits qui sont en train de pousser, ça va coûter 220 000, alors qu'un verger qui est complètement vide, ça coûte que 200 000, donc ça fait de l'ennui. Donc Vea Motar, et le supplément, ces 20 000 là, il a car ben car, on devra partir acheter avec ce supplément là un bien immobilier, un carca, un terrain, Veo Chalperot, et le mari mangera les fruits qui sortiront de ce deuxième terrain de 20 000. Vachachamim Rim, Chachamim disent non, Amechouvarin la carca, tant que les fruits sont encore fixés au sol, ça s'appelle qu'ils sont fixés au sol, tu as le droit de les prendre. Et Shelo, salut. Vatlushin Mina Karka, et ceux qu'on a déjà cueillis, alors là on dira que c'est Shela, ça appartient à elle. Et dans ce cas-là, Vilakar Ben Karka, on devra prendre en contrepartie un terrain, Nehu, Rel, Perot, et il mangera les fruits. Là, on parle de toutes sortes de situations aussi. Imaginez que le père, il a laissé une mine de. Est-ce que vous voulez, ça peut mettre une mine de charbon, une mine de sable même. On tire des pierres pour la. C'est des capitaux qui s'usent avec le temps. Qu'est-ce qu'on sent? De manière générale, on va toujours fixer. Il y a l'essentiel, ça s'appelle le capital, et ce qu'on exploite du capital, même si finalement on use le capital au fur et à mesure, ça sera déjà considéré comme des fruits. D'accord? C'est la même idée qui revient. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Hatzlacha kol tov, c'est là.